préférez le programme, messieurs, dames, le programme du spectacle? Nous, on a l'habitude quand même d'aller au théâtre et d'y aller souvent entre amis. Donc, On aime le théâtre ou on ne l'aime pas, c'est tout. Hein. C'est un moment de plaisir. C'est la communion, c'est la convivialité, c'est le plaisir partagé. J'aime beaucoup l'auteur, donc j'aime beaucoup sa filmographie. Donc je viens voir ce qui se passe en théâtre chez Bertrand Blier. Encore heureux que j'ai un gros cul, sinon ce serait le coccyx. Vous n'avez pas du tout un gros cul. Si, j'ai un gros cul, mais je suis pas une pute. Oh, personne n'a déposé qu'il y ait une pute. Si, vous. D'ailleurs, voilà là-bas. Vous m'avez collé une barre affirmative. Et pourquoi? Le choix du théâtre, c'est très important par rapport à la famille dans laquelle on se situe. Moi, je me sens bien sur les boulevards. Je me sens bien par ici, vers Strasbourg-Saint-Denis. Je me sens sur cette région de Paris-là, je me sens bien. Il y a des théâtres où je me sens bien, ça peut être les Bouffes Parisiens, la Michaudière, tout ça, tous ces théâtres-là, ce qu'on appelle les théâtres de boulevard. Évidemment, là-dedans, il y a le Théâtre Antoine. On ne peut pas chercher un théâtre sans penser tout de suite au Théâtre Antoine, qui est probablement un des plus prestigieux, un des meilleurs théâtres sur le plan acoustique, pas trop grand, confortable quand même si jamais on fait un succès. Il faut trouver l'endroit, voilà. Parce que je vous dirai, je prends votre place. Oh, tenez, vous allez en avoir besoin. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Je pense qu'au théâtre, on voit plus le direct, il y a le public et tout ça, et je pense que c'est beaucoup intense. Plus intense et stressant, et c'est là où on voit, je pense, le vrai jeu d'acteur et, ouais, et le vrai métier, quoi. Mais c'est un cauchemar, c'est comme le saut à l'élastique sans élastique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le trac du théâtre, évidemment, qui est énorme, que j'ai moins eu sur « Désolé pour la moquette » que pour les côtelettes. Par exemple, les côtelettes, j'ai failli tomber dans les pommes, j'étais dans les coulisses, et les deux acteurs, Michel Bouquet et Philippe Noiret, m'ont dit tu étais vert, quoi, vert, comme un sous-bois. Mais là, ça a été mieux cette fois-ci. Et sinon, j'ai eu peur. On a peur dans ces métiers-là, on a peur tout le temps. C'est la différence avec le cinéma. Il y a une proximité que je ne retrouve pas au cinéma. Le théâtre, pour moi, c'est surtout des souvenirs de mon enfance, de mes jeunes années, parce que j'allais pas mal au théâtre avec mon père, qui m'emmenait voir des choses. J'ai vu des choses vraiment formidables. Par exemple, ici même au Théâtre Antoine, je suis venu quand j'étais petit. C'est un théâtre qui a une tradition, qui est peuplé de fantômes. J'ai vu la création de Pauvre Bitos, par exemple, avec Michel Bouquet, la pièce d'Anouilh. C'est des choses qui marquent. J'ai vu des choses comme ça. J'ai vu Alain Delon, Romy Schneider, enfin, j'ai vu Brasseur, j'ai vu Meurice, j'ai vu tous ces gens-là. Donc tout ça, c'était toute mon enfance, c'était plutôt... J'ai été beaucoup plus dans les théâtres que sur les plateaux de cinéma, très bizarrement. Eh bien écoutez, c'était très agréable. Ah, moi j'ai adoré la performance des acteurs. Annie Dupéré, dans un côté un peu trash, c'était rigolo, très drôle. Là, il y a un auteur, il y a des distributions formidables. Enfin... Formidable parce que c'est une pièce qui a toutes les sensibilités, qui traite de la misère humaine. Et c'était sympa, moi ça m'a beaucoup plu.